je m'appelle Syndicat. Syndicat, c'est un mot en kikongo. Ça veut dire l'envoyé. Quand j'étais petit, mes amis, mes grands cousins comprenaient l'envoyé dans le sens le petit qu'on envoie chercher du coca au coin. Et finalement, après, c'est mon père qui dit non, non, l'envoyé, c'est Emmanuel, c'est l'envoyé de Dieu. Et là, disons, la perspective a changé. En fait, je m'appelle Syndicat parce que je suis né juste en 72, juste avant la zérénisation. On a eu un phénomène culturel chez nous qui était très fort, qui était un peu dans le registre de la révolution culturelle maoïste en Chine. Et là où la décision politique avait été prise à l'époque, c'était d'abord une forme d'égalitarisme, c'est-à-dire tout le monde allait à la même école et tout le monde allait en uniforme. Les garçons n'avaient plus le droit de porter, et les hommes n'avaient plus le droit de porter des cravates. Les filles n'avaient plus le droit de porter des pantalons. Et on n'avait plus le droit à des prénoms chrétiens. Et mine de rien, c'est quand tu le remets dans la perspective historique, et que maintenant qu'on a fini l'ère Mobutu et qu'on est passé au 21e siècle, peut-être il y a une dimension ridicule, mais en fait ça a marqué toute une génération. Moi par exemple, mon identité procède fondamentalement de cette révolution culturelle. Et même si le projet politique a abouti à un échec, c'est quelque chose que je porte en moi. Donc si tu veux, c'est très particulier, parce que je ne peux pas... Pour moi, le contexte historique, la manière dont je me situe par rapport à là d'où je viens, les gens qui étaient là avant moi, les combats qui ont été menés avant moi, c'est un truc qui est fondamental et qui m'a marqué. Syndicat, c'est intéressant. J'ai décidé, tous mes enfants ont des prénoms africains. Mon premier fils s'appelle Yenge. Yenge, c'est en kikongo, ça veut dire le bonheur. Ma fille s'appelle Aïlé. Aïlé, c'est un nom éthiopien. C'est un nom de l'empereur d'Éthiopie, Haïlé Sélassié. C'est un nom de garçon. Et un nom qui veut dire le grand. Donc, il y a un nom qui est un prénom qui est très fort, mais avec en même temps une esthétique qui est très féminine. Et mon dernier fils s'appelle Kwame. Kwame, le nom me plaisait, mais Kwame Nkrumah, c'est celui, le premier noir qui a fait son indépendance en dehors sur le continent africain, disons, en dehors d'Haïti. Et donc, tu as grandi à Kinshasa, dans quel quartier? Non, je n'ai pas grandi à Kinshasa. Je suis né à Kinshasa dans la clinique danoise. Ma mère est danoise, elle était infirmière. D'ailleurs, c'est intéressant, ma mère s'est fait virer de la Croix-Rouge danoise parce qu'elle sortait avec un noir divorcé. C'était en 72, il n'y a pas longtemps. Et puis les Danois, les Scandinaves sont des gens réputés ouverts d'esprit. Mais c'est un truc dont aussi je suis le résultat. Mon père est quelqu'un pour lequel le choix était très facile. Parce que le système colonial raciste des Belges était tellement évident que tous les gens normaux, et notamment tous les Noirs d'office, étaient forcément contre le projet colonial. Donc tout le monde était engagé politiquement dans un choix qui est très clair. Aujourd'hui, moi je suis l'héritage de cette lutte-là parce que quelques années plus tard, on se rend compte que même si apparemment sur le papier, il y a un succès qui est quand même l'indépendance, l'affirmation de soi, dans les résultats, il y a un grand échec. Aujourd'hui, il y a un sondage, je crois, que j'ai vu l'année dernière à Kinshasa, là où il y a pratiquement 20% des gens qui disent qu'il faudrait retourner à la colonie belge. Il y a quelque chose qui m'a complètement choqué que j'ai vu à Kinshasa il y a un an avant les élections. Je ne sais pas quel fou ou quel imbécile on avait comme ministre de la Culture à l'époque. Il faudrait que je retrouve son nom, mais je n'ai pas accusé les gens en l'air. Je suis arrivé à Kinshasa, j'ai vu qu'ils étaient en train de porter la statue du roi Léopold sur son cheval et ils voulaient la remettre. Et ils l'ont remise au bout de notre... sur nos Champs-Élysées à nous, sur notre place de l'Étoile à nous. Et je crois qu'en bout de la matinée, ils ont dû l'enlever. Mais c'est te dire, quand tu perds la dimension historique, dans quel genre de danger est-ce que tu te retrouves? Et ça, c'est quelque chose que cette expérience du passage un peu brutal et assez raté finalement entre le Zaïre et le Congo démocratique. Là, on a dit en 96, on est libéré. Si on est libéré de notre histoire, c'est-à-dire s'il s'agit de renier tout ce qu'on a vécu et tout ce qu'on a tenté sous l'époque Mobutu et même avant. J'ai l'impression que Mobutu a voulu renier un peu l'époque Lumumba et de l'indépendance, là où lui n'était pas vraiment au top. Ensuite, Kabila père a voulu renier Mobutu. Quelque chose que je trouve intéressant maintenant qu'on est en train de vivre dans le Congo contemporain, c'est qu'on a un président Kabila, Joseph Kabila Kabange, qui est à mon âge, il a 35 ans, 36 ans.
il a pris comme premier ministre le vieux Gizenga, qui était le bras droit de Lumumba, donc pire ennemi de Mobutu, et il a pris comme deuxième personnalité du gouvernement le fils aîné de Mobutu. Et si tu veux, c'est porteur d'espoir, ça veut dire qu'il y a un terreau fertile. On a fait un déblocage institutionnel, mais maintenant il faut savoir culturellement qu'est-ce que ça nous apporte et est-ce que cette prise de conscience s'opère. Et une fois qu'elle s'est opérée, vers où on se projette. Et je crois que c'est ça en fait le phénomène déclencheur, peut-être ce qui a donné de la valeur ajoutée à la démarche de collectionneur. Ce qui fait que je ne peux pas être qu'un collectionneur. Dans l'approche que j'ai de la culture, j'ai une forme de, au-delà de la dimension égoïste et au-delà de la dimension esthétique, il y a une prise de conscience historique et donc, en conséquence, il y a forcément un positionnement politique, si tu veux. Partout vous allez, Fisho Bangu, les grands combattants de Bruxelles, Fisho Bangu, l'homme à la barbe, Fisho Bangu, mon Mandefu, Fisho Bangu, mon Pambo, mon Par exemple, Netingaï n'a pas de prison. Na voisin n'aï. On parle. Biloko les athées. Gafisho bango na sandi. Voisin n'a du bisan n'a pas liango. Bande on a tel niveau politique n'a pas commis si biso. Kolia na bisan n'a pas moutou. De quoi n'aï. Passion dans tout mon amote. Yamon a silko zonga bouna silko le baboué. On parle. Tolandi gouvernement. Ou à Rwanda. Bah influencé, bah collaborer avec Congolais ou bah Congolaise que mutunyo sur Oyo Arumona face à prisonniers, na quartier na bango bas na bango, bah Congolais bah Congolaise bon mec à coup touté, comprend? Ceux qui bouton te kabane de Congolais bah Rwanda ils a passé, bon landa bah collaborer Congolais ou anatena Congolais ou anaté, comprend? Bande Congolais binon zamba sali bah du occasion bah Kimi na prison, faut repêcher la honte à Bogo, tamu zuka bango wana. Na passo ba moni nei politika na matia na prison tant jusqu'à bango mo ba libéré corona biso bande ko ngai sur bo moni prisonnier moko ou na butu ou na moyi ayo ko sengo mai ayo ko biloko ko lia ayo ko place place la tsaye
boy de bango sauver mon pot basa va décoller bino on a ni l'alo bayangwala puis te yogi susu na l'hôpital ba maman nyoso oyo ba yina ba zemi ba o ba bota o ba kanga bango otage pour afuta kambongo te to yogi ke na mikolo ezali kuya ou to yogi lelo ke ba ko libérer bango bato ba dans l'idéologie on a ko libérer ba de bango na kata place à passe bo sala ngo libérer ba nyoso Congo ezala bien tous à la bien pire à Congo, car ma besoin libérer l'obi l'obi sur la salle, baron de baron taquille politique à la belle espèce à l'auto. Moi, on va la donner comme on a été la 2017 au protocole à la fin. Tout comme à la fin, ou bien car la micro de la va gérer par août à septembre. Tout ben à la moine en bas, voilà tous à la union ou à bénir nos fait la force ou mal pour tout ben à la Rwanda. N'a si le coup kawana n'a si le coup sur la Cambouya, moi on va le sidico d'Okolo. Oaza na ngola o tozo mona na bilili to mona asali mwa groupe na ye pona nini ya lingi ya koma president na Congo na 2017 bande ko na ngai baloba union fait la force ba to ba linga ba koma president na Congo ba o ba linga ba koma premier ministre na Congo c'est le moment ou c'est le temps yango yo bo sangana o ba bo ko meloko moko bo sanga ideologie moko na biso pe toza ideologie na bino o to benga na ba Rwanda. Division et botte à mon côté. Division et les esprits sataniques. On parle peuple congolais, faut tous la uni, tous la coffre mogo pour tout bien dans la politique à Nambe. Souci n'a pas de ça en Guana. Ce sont les bagages bien. Même moi à Congo, ou n'y a pas à Congo. Ce qu'il y a comme président, on va tout soutenir. Mais l'essentiel que jeune garçon, on a, et politique à Nambe, laisse pas le temps, tout lui comme on est la tête, il y a un bon cannabis sauté. Parce que les gens ont mandat ceci là. Nous ne pouvons pas voter qui a zaté. On parle à Kanga pour que la personne ait gagné ma casse. On parle. Paye. Dokolo. À fond la solution est de copier par Mindou qui a dit que tout le monde a un bon moment de soutenir Moutouana. Parce que pour nous, la souci, il faut que il politique, quand même, de comprendre, allons à la pouvoir. C'est ça notre souci. Les restes, on est allé bisauter. Peuple congolais, tous à la uni, tous à la union, fait la force, tout le monde a un politique, quand même, laisse baloto. Mais c'est Sidiko, donc on n'est pas aux alliés. Sur le message aussi, là, comme il a eu. Nous avons souhaité bonne chance, étant que nous sommes Congolais. Nous avons souhaité bonne chance. Ça, là, il doit nous aider. Ceux qui peuvent, beau père, ou beau kilo, Eduardo, à l'aider, nous aider, nous encourager, nous assimiler. Nous avons soutenu, nous soutenir. Nous avons soutenu. Nous avons soutenu. Nous avons soutenu. Nous avons gang, gang à filmer, robot du Congo. Nous avons soutenu. Nous avons bonne chance. Mais tu l'as vendu, de libération du Congo. Et ça, tout le monde est en 2017. Tu as comme route à fin, garçon, il faut à dégager. Tu as gagné, tu as jugé, tu as tout gagné. Tu as comme président du Congo. Parce que ça a rwandé tout. Tu as comme on a été. Les politiques en Amérique laissent le tour. Dégage un point, un trait pour Congolais. Tu as comme on a été. La tête à Congo. Il y a un mot à la l'homme à la barbe, je vais vous pamba, ainsi que le balancier, vous passez message dans la bourse de la Rouleau Kayango, et ça l'a bien, ingeta, bye bye, je vais vous le gars combattant de Bruxelles, je vais vous pamba, vous demandez, bye bye.